tous. Donc ouverture d'un cylindre breaker alpha, tout d'abord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc datage des goupilles, la quatrième qui est dure et haute, un petit décalage. On insiste un petit peu, ça va un peu plus loin. La cinquième qui amène un renvoi. Donc c'est une bobine, placement, retouche de la quatrième qui était un peu remontée, on récupère le décalage, retatage, la troisième, retour, placement, deuxième, petit décalage. Un retour, donc on insiste, voilà, donc là il doit m'en rester qu'une, la première, hein. C'est la seule qui est haute et dure, on relâche l'entraîneur, contre-rotation, ça s'ouvre pas, elle est peut-être pas tout à fait en place. On retouche la quatrième, ouverture. Voilà, donc maintenant on va le faire dans l'autre sens. Alors on peut faire un petit rocking au départ pour avoir le décalage, hein, sans s'embêter. Voilà, là j'ai un petit décalage. On tâte. La première qui dure avec un retour. Voilà, placement, la deuxième. Donc en général, hein, c'est le sens inverse de l'ordre dans l'autre sens, hein, au niveau du placement, de l'ordre de placement des goupilles. Hein. Voilà, je dois avoir une remontée. Un petit rocking. Non. Quatrième. Troisième. La cinquième. Retour. Et ouverture. À bientôt.